الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال مدد يا سلطان الأولياء. دستور مدد مدد الحق اطلاعة الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous dans cette humble assemblée. بسم الله الرحمن الرحيم. تركتنا الصحبة والخير في الجميع كما شاء نقشبند. Et Nashar Naqshband nous a répété cela, que notre chemin c'est la sorba, le compagnonnage. Et le khair se déploie sur l'assemblée. Et dans un temps où est-ce que l'humanité retient son souffle par crainte d'un lendemain plus difficile. Comme il disait Cheikh Youssouf, il y a bien des choses qui ne sont pas dans les mains des humains. Cela appartient à Allah et à ceux et celles qu'il a autorisés pour tenir le gouvernail, les gens d'Allah. Parmi les ins, parmi les djinns, parmi les anges, tous ceux qui sont en autorité, même si nous avons la prétention de comprendre, souvent cela ne prend pas beaucoup pour nous rappeler. Nous rappelait cela lorsqu'il parlait. Il parlait de l'arrogance de nos civilisations parce qu'elles ont commencé à acquérir la connaissance scientifique, à maîtriser les éléments, à canaliser l'énergie, à transformer la matière. Et alors, à l'époque, c'était au début des années 2000, il avait mentionné que cette arrogance touchait particulièrement les civilisations occidentales qui avaient poussé la science en avance, et à leur tête, le Japon. Parce que très tôt, le Japon avait fait des percées au niveau de l'électronique. Et était le leader technologique de la planète. Mais Maulana Cheikh, à l'époque, rappelait que cette prétention ne mène qu'à la perte des humains. Sont venues avant nous des civilisations qui ont disparu, qui, dans leur prétention de connaître, ont disparu du jour au lendemain. Les ruines qui traînent sur cette terre, que vous soyez en Égypte, sur la trace des accomplissements des pharaons, que ce soit dans les cités en Amérique centrale, en Amérique latine, les cités mayas, les cités inca. Et Maulana Cheikh, il parlait même, il disait que ce soit l'Atlantide, Atlantis,
Il disait, où est cette terre aujourd'hui? Il ne faut pas penser que c'est un mythe. Quelques-uns ont survécu pour transmettre l'histoire, pour qu'elle nous parvienne. Mais nous avons oublié. Et Maulana Cheikh Qadas al-Awsir disait, l'Atlantide a bel et bien existé. Et elle a atteint un summum de développement avancé. Une technologie très avancée. Mais avec ce développement technologique est arrivé également un développement avancé de la corruption. Et c'est cette corruption qui les a perdus. Et dans la majesté du Seigneur des mondes, il a littéralement anéanti cette terre qu'il a enfoncée sous les mers. Et voilà, la chair disait, il viendra sur leurs installations nucléaires, un tremblement de terre, juste pour rabaisser leurs prétentions. On était presque une année avant les événements de Fukushima Daifu, où est arrivé un tremblement de terre qui a levé un tsunami qui a déferlé sur le Japon et a plongé le pays dans une crise étrange. Et ce vent de rappel se lève de temps en temps, tel un avertissement pour les humains, tel un avertissement pour nos sociétés, nos civilisations, nos gouvernements, l'arrogance de nos gouvernants, la prétention de nos systèmes, et l'impérialisme de nos puissances. C'est un mot qui n'est plus à la mode parce qu'il a souvent été utilisé par les communistes qui traitaient les Occidentaux et l'Amérique en avant d'impérialistes. Ils ont oublié qu'eux aussi en étaient des impérialistes à leur façon. Les apparatchiks ont toujours continué le système sous une autre apparence, en faisant travailler la base du peuple, en développant une propagande bien aiguisée pour hypnotiser les gens. Mais il est un, le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses. Et Allah Azzawajal, il dit, je suis comme mon serviteur espère de moi. C'est une magnifique parole ce soir, quand on est arrivé, Abbas a mentionné. Quand il me racontait un événement que j'ai oublié. Il m'a dit, quand je suis allé voir Cheikh Nazim la première fois, tu m'as dit quelque chose et je m'en souviens encore. Fais attention quand tu vas voir le chef.
cher il va être selon tes intentions. Il va être ce que tu espères. Oh, quelle leçon magnifique! Et là-dessus, on touche à l'essence fondamentale de notre intention. Parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit « Votre Seigneur sera comme vous espérez de lui », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pour les compagnons et ceux qui l'ont rencontré selon ce qu'ils ont espéré de lui. Pour certains, il a été Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Pour d'autres, il a été Muhammad al-Amin. Pour d'autres, il a été Muhammad ibn Abdul. Pour d'autres, il a été la manifestation d'Allah sur terre. Et comme l'a vu Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, les autres compagnons ne l'ont pas vu. Ou comme l'a vu Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, les autres compagnons ne l'ont pas vu. Ou comme l'a vu Sayyidina Uwais al-Qarani, radiallahu anhu, les autres compagnons ne l'ont pas vu. Ou comme l'a vu Abu Jahl, c'était une autre manifestation. Pourtant, le même messager. Alors, de la même façon, quand nous allons voir, nous nous approchons du Cher, sa manifestation sera telle que nous espérons, selon nos intentions. Et si vous êtes venu au Cher avec un but matériel, ça arrive. Le business ne va pas bien, ou on a fini et on veut trouver, bâtir la carrière du siècle. Et on veut les doigts pour que nous soient ouverts les bons contacts pour faire notre cheminement et nous asseoir sur un poste de gouvernant. C'est une chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait Hijra, quand les compagnons l'ont suivi, celui qui a fait Hijra pour Allah, c'est Allah Azza wa Jal qu'il va rencontrer. Celui qui a fait Hijra pour améliorer son commerce, ou pour se marier, ou pour quelque autre raison, il sera compté sur cette intention. Et la manifestation de la présence du Cher est similaire. Si on l'approche avec l'intention d'acquérir quelque chose ou d'accomplir quelque chose ou d'accéder au secret ou de devenir à notre tour un cher, la nature humaine. Il y a là-dedans rien d'illégitime. On s'entend. Mais l'excellence est
une nuance très subtile, juste sur une intention, si elle n'est pas adéquate, alors le résultat est en conséquence. Il vaut mieux venir à un cher avec l'intention qu'il nous efface pour le servir, pour l'aimer, que de venir à un cher avec l'intention de devenir comme lui. Parce que là, vous allez prendre le chemin de la prétention. Les leçons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données sont nombreuses. Il est khair khalqillah. Il est la manifestation de la suprématie. De tous les aspects que l'on peut décrire à la suprématie. Allah al-Azim. Jalla Jalala. Al-Azim, il est l'ultime suprême. Il est la suprématie manifestée. Et cette manifestation, pour le tangible, a été descendu sur la meilleure des créatures. Dans sa création, dans son essence, dans sa lumière, dans son caractère, dans sa perfection, dans tout ce qui est possible d'une créature, Allah Azzawajal l'a magnifié chez lui. Le meilleur des exemples pour nous le rappeler, il sera Al-Mahraj qui va nous arriver dans quelques temps. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la compagnie du serviteur, des serviteurs, c'est Najibril alayhi sallam, a fait une ascension dans une présence. Et durant cette ascension, le serviteur intime d'Allah, Azawajal, l'archange Gabriel, c'est Najibril, alayhi salam, a montré sa limite lorsqu'il est arrivé à Sidrat al-Muntaha, la limite ultime, l'arbre de Lot. Et le prophète, sallallahu alayhi salam, a continué son ascension. Seul, porté par la manifestation de son Seigneur, dans une limite qu'aucune créature n'a jamais daigné transgresser. Et de cette suprématie, quand Allah Azzawajal l'a questionné, que choisis-tu d'être, ô mon bien-aimé? Veux-tu que je te couronne? En fait, Salam a répondu, ô mon Seigneur, je veux être ton serviteur. Oh, quelle leçon! Qui arrivait chez le cher alors que le cher lui ouvre et lui dit, Yawaladé, mon enfant, veux-tu que nous trouverons le secret de la présence? Qui aurait l'intégrité du cœur de dire Anna Kadim Alaba Bisher Yasir? Je suis le serviteur à la porte de mon maître. Votre plaisir et mon souhait le plus intense.
ça fera toute la différence. Et ça, c'est un rappel pour tous les prétentieux, pour tous nos prétentieux aujourd'hui, pour tous les prétentieux que nous sommes, incluant celui qui est sous ce turban. Il n'est pas exempt de ces leçons. C'est l'adage de notre enseignement. Le premier concerné sur la sorba, celui qui parle. Si celui qui adresse la sorba n'est pas à mesure d'écouter le conseil qu'il donne et de se l'attribuer à lui en premier, et d'être convaincu qu'il est le plus en besoin du conseil, alors le Aman, le dépôt de confiance qui lui est donné, est des plus dangereux pour lui. Sont passés avant lui une myriade de représentants, une myriade de lieutenants, une myriade d'autorisés, une myriade de permis qui, sur le chemin, sont tombés. Alors, le cher, qu'est-ce que nous voulons lorsque nous allons chez le cher? Et il ne faut pas que nous pensions que nous avons la clairvoyance. Parce que nous arrivons avec nos appréhensions chez le cher. Certains sont venus, ont voulu voir un cher assis sur un trône. Et lorsqu'ils ont vu un derviche, c'était un peu dérangé. D'autres ont voulu voir un cher au charisme manifeste, à l'éloquence extrême. Et lorsqu'ils ont vu un cher en retrait et au verbe simple, ils se sont trompés. D'autres ont voulu voir dans le cher un ascète démuni, effacé, comme un derviche de Khorasan se promenant avec son cachoul. Le signe des derviches de Khorasan, ils avaient un petit récipient qu'ils traînent avec eux, le cachoul, pour faire leurs ablutions et pour quémander la nourriture. Et lorsqu'ils ont vu un cher à la manifestation riche, habillé de vêtements brodés, ça ne remplit pas mes appréhensions. Et je vois là-dedans juste une manifestation d'apparence. Et ils ont oublié que la manifestation de la décence sur terre, celle qui a rendu même le prophète sallallahu alayhi wa sallam gêné lorsqu'il disait: qui devant cette présence ne serait pas gêné devant Allah, tellement il est décent. Sayyidina Osman ibn Affan. L'un des hommes les plus riches de l'Arabie. Et pourtant, dans le rang des compagnons, élu à la position du troisième, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on dit qu'il avait un troupeau gardé par 12 000 chiens. Khalilullah
et personne ne mettrait en doute l'authenticité de sa foi. Car Allah Azzawajal le décrit, l'a honoré, l'a élevé. C'est na Rawsu Azam, l'intercesseur suprême. Ya Rawsu Azam, c'est ma cher Abdul Qadir. Ce sont des noms qui représentent une telle manifestation de grandeur chez Allah. Si seulement nous savions. Il faut voir les gens d'Allah les mentionner et littéralement ils se replient d'humilité juste à les avoir mentionnés et ils rayonnent tels des soleils parce qu'ils les ont mentionnés. Et Nasser Abdul Qadir Jilani, il était à une époque l'homme le plus riche de Bagdad. Et alors, nous venons au cheikh avec l'intention de le questionner. Le questionner, parfois tel des savants. Ou nous venons le questionner dans le but de vérifier. De vérifier. Essayer de le mettre à l'épreuve pour le mettre sur notre barème. Nous venons au cher en le questionnant dans le but de lire notre avenir. Ô cher, qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour moi? Comme on voit chez les diseurs de bonne aventure, ou les géomanciens, ou les poudreux de perlimpinpin. Et ce sont des nuances subtiles. Le serviteur qui arrive chez son cher de façon sincère, comme il disait Maulana Cheikh Nazim, si vous venez ici pour accomplir, pour réaliser, pour accéder quelque chose, passez votre chemin. Nulle station ne vous sera octroyée. Nul makamat, nulle réalisation, nul pouvoir, nulle illumination. Si vous cherchez l'alignement de vos chakras, de vos latifs, lataïf, passez votre chemin. Si vous cherchez, comme on entend, l'ouverture de votre troisième œil, allez chez les moines. Allah, ça, ils ont ces techniques-là. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Si vous cherchez, passez votre chemin. La parole de Maulana Cheikh. Par contre, si vous venez pour déposer, si vous venez pour vous séparer de quelque chose, si vous venez pour perdre quelque chose et donner quelque chose ici, Ahlan wa sahlan. C'est la place, Maulana Cheikh, il disait, le majlis du cher, c'est la place pour déposer votre ego. C'est la place pour perdre votre ego. Amen. Et déposer votre ego ou perdre votre ego, cela commence d'abord et avant tout par comprendre que les règles ne vous appartiennent pas. Les règles ne vous appartiennent pas.
appartiennent à Homme. Il choisit ce que vous êtes, où vous allez, comment vous allez y arriver. Et nul n'aura un bien qui n'est pas prescrit pour lui. Nul n'aura un mal qui n'est pas prescrit pour lui. Nul n'aura une station qui n'est pas prescrite pour lui. Nul n'aura un zahra de plus que ce que Allah Azzawajal a écrit. Et de la façon qu'il a choisi. Et cette façon, le dépositaire de votre cheminement, celui qui a la clé du secret, celui qui vous amène à cet accomplissement, c'est celui qui tient votre main et qui fait Allah à travers la bay'a, quelle qu'elle soit. Quand vous avez pris la main à chair, c'est lui le dépositaire de votre cheminement. Alors souvent, les étudiants venaient voir le cheikh. Oh cheikh, nous demandons pourquoi tu ne nous ouvres pas les visions et les hal et les makamat et aynul yakin, hakul yakin. Pourquoi on n'a pas ces visions sur la réalité? Oh là, cheikh, il rigolait. Il disait, si on vous ouvre juste un bouton, comme la navette a explosé parce qu'ils n'ont pas ajusté les paramètres correctement, vous allez vous désintégrer encore plus fort. Alors l'étudiant qui a posé la question, ce n'était pas assez pour lui. Il a dit, vous voulez dire qu'on va se désintégrer spirituellement? Le cheikh, il a dit non, même physiquement. Si nous vous connectons à ceux qui descendent des cieux et que vous n'êtes pas prêts, même physiquement, vous allez être intégralement anéanti. Le cher, il sera comme on espère. Car c'est avec l'intention fondamentale que vous venez que Allah Azzawajal vous reçoit. Et si vous venez au guide avec une intention fondamentale, vous serez mesuré là-dessus. Alors soyons vigilants. Ils sont venus trois pour questionner. C'est Nasher Yusuf Hamadani, le méga cher de la Silsila Naqshbandi, qui était perse. L'histoire est fameuse. Un corrompu qui voulait vérifier la connaissance du cher et peut-être le faire glisser. Un sincère, mais qui avait le désir de la connaissance. C'était la connaissance de la lettre. C'était un rabbi. Et un troisième, au cœur pur, sincère. Et chacun posa ses questions. Le premier, le chef lui répondit. Et lui dit, tu seras récompensé selon ton intention. Et malgré les pièges dans la question, le cheikh a détourné, lui a donné sa réponse. Le deuxième, lorsque c'est un cheikh Yusuf Hamadan, il lui répondit, il lui donna le secret du savoir qu'il cherchait, en priant pour lui, pour avoir fait le déplacement. Et de cette dua, il devient la renommée des ulema de son temps. Le troisième, humble, anonyme, cherchant le visage de son Seigneur, reconnut la grandeur du cher, et lorsqu'on lui demanda ce qu'il voulait, il répondit, votre prière, ô mon cher, je demande votre prière. À
Alors, Sayyidina Cheikh Abu Yusuf Hamadani pria pour lui. Et de cette prière et de la pureté et la sincérité de son cœur, il devint le pôle des saints. Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani. De sa station spirituelle, il disait: Allah m'a fait marcher mon pas sur la nuque de tous les Aouliyas. Ma station, je la dois aux invocations de Cheikh Yusuf Hamadani. Qu'Allah Azzawajal nous défasse de nos illusions, de nos prétentions, qu'il nous amène à la porte du Cheikh, du guide, avec une intention fondamentale et pure. L'intention qui nous amènera à la porte d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de nous-mêmes et qu'il nous accorde le discernement, la pureté suprême de l'intention. Et qu'il nous rentre à la porte du Cheikh en désirant sa bénédiction, son service, en désirant être Kadim à la Babé Cheikh, être un serviteur à la porte du Cheikh. Être un serviteur et lâcher tous nos désirs, toutes nos appréhensions. Qu'il nous enseigne l'invocation. L'invocation de dire à notre cher, ô Seyyidi, efface ton serviteur. Efface ton serviteur, car ce qu'il est une aberration. Cette station du nafs, une transgression fondamentale. Qu'Allah nous accepte, nous pardonne, amen, par le sanctuaire de ce mois de Shahr Rajab. Qu'il nous illumine le cœur de la grâce, de l'amour du messager de lumière, Habib Kamoussa, et qu'il ennoblisse nos caractères. Amen.